Belles amis, moi yo, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure où regarder vidéo. De nos grandiers, Père Céleste là, qui est au ciel là, moi espère bien, famille en bien, c'est ça qui est plus important. Yon l'autre fois, on attendait Fredo service réfrigération. Voir que vous toujours attendez vidéo, que vous toujours regardez dans la chaîne là, m'espérer, ou pour prendre quelques minutes dans le temps, pas pour capable garder vidéo ça. Moi j'espère comprendre. Là fin comprendre, je suis capable faire expérience. Parce que dans la vie, on doit toujours faire expérience avec tout ça qui paraît devant. C'est un moyen pour capable aider tête avant même que aider un l'autre ou bien avant que l'autre aide. Ça va regarder là qui c'est un moteur compresseur, un réfrigérateur. Réfrigérateur c'est lui qui toujours été relé frigidaire. Frigidaire, c'est un titre d'un réfrigérateur fabriquant mété. Mais l'autre dit frigidaire, c'est parce que vous voulez moun connaît de qui ça va parler. Mais c'est pas un problème. Moute ça va garder là, qui c'est un moute Panasonic, qui c'est un huitième, j'en crois garder là. Gen, par exemple, troisième nan Pigou, quatrième nan Gonti Jean Pigou, cinquième nan encore Gonti Jean Pigou. Pipiti, ou a privé nan sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Ça yo, yo paraît pipiti qui est premier. Huitième nan, ak neuvième, dixième nan, pipiti qui est troisième, pipiti qui est quatrième, pipiti qui est troisième, pipiti qui est cinquième aussi. Ça veut dire, nous a montré qui gens qui sont capables de souder yon vap de charge ou bien dans quelle direction que vous devez souder yon vap de charge dans un moteur compresseur réfrigérateur. Ça veut dire, vap de charge là, qui s'allie? Vap de charge là, c'est si bagay sa wap gade là. C'est l'équipe accès pour capable mettre réfrigérant dans le système là. Moteur compresseur a gagné trois tuyaux. Trois tuyaux ça yo, après gagné un à gauche et puis gagné deux l'autre à droite. Deux l'autre ça yo qui à droite là, gagné yon qui c'est bas pression, l'autre là c'est haute pression. Mais l'autre ça qui à gauche là c'est même toujours bas pression. Ça veut dire c'est la donne que vous mettez valve de charge là. Ça a un problème que vous mettez valve de charge là dans bon ça aussi tout dépend des gens fabricants et fabriquer appareil là. Le qu'on est important pour ta mettez valve de charge là dans bon ça si technicien t'es déjà mettez valve de charge là dans canyon de souction qui coûte sortir dans évaporateur ou même ou ka toujours utiliser côté valve de charge là dessous de ya pour sortir évaporateur. Mais qui zone que vous devez souder valve de charge là? Effectivement, c'est dans zone qui toujours pour compte client qui c'est dans bord gauche moteur compresseur. Si yo qui toujours pour compte client, c'est la donne que vous devez mettre valve de charge là. Et si vous t'as changé position valve de charge là entre trois tuyaux ça yo, mais il toujours doit respecter côté sortie évaporateur à rentrer. Mais si vous mettez le dans ça, il est pas bon parce que haute pression c'est lique pour aller dans condenseur. Côté ou sous des valves de charge là, sous des valves de charge là, nan tuyau qui pour compte client. Ça veut dire c'est la donne que vous pouvez accès pour mettre réfrigérant dans système là. Ça ou garder dans tuyau ça qui c'est tuyau bas pression, haute pression. Haute pression c'est l'équipe pour condenseur et bas pression c'est l'équipe sorti dans évaporateur. L'autre tuyau qui est dans extrémité pour compte client c'est la donne pour mettre valve de charge là. Si mettre là, il n'y a pas un problème, mais faut que changer retour évaporateur, faut mettre le côté où tu pour te mettre valve de charge là. Sinon, système là pas fonctionner bien. Qui ça nous peut le faire? Nous pouvons utiliser une torche, gens qui ont regardé là. Nous pouvons utiliser tout ça et puis nous pouvons utiliser et faire soudi de bronze. Et puis nous pouvons gagner yon ti incendedol ou même on connaît le sonor incendedol mais nous même nous dit incendedol mais si c'est pour nous même haïtien nous ka dit yon briquet par exemple qui ka li men pour qui ça parce que accès torche là qui pour li men torche là li gâté li pas fonctionner qui ça nous pouvons faire nous pouvons chauffer parti si yo ça après ça pour nous retirer et puis pour nous capable mettre valve de charge mais valve de charge là les va mettre valve de charge là toujours faire un peu l'effort pour capable retirer ces bagues en plastique qui n'a
vague de charge là. Pour qui ça? Parce que si vous quittez, par exemple, vous quittez et si guide là là-dedans, la potée fuite réfrigérant l'air au fin installé système non, parce que chaleur pour al bouler ti bagui là-dedans, non, j'en crois regarder. L'offin le ou avant mettre l'ou ap retirer l'offin sous des valve de charge là et puis ou ap mettre là-dedans tout bagaille konya m pral passer par sous des valve de charge là n'a vini. OK, nous fin sous des valve de charge là, ça konya n'a pral retirer tout de boutio sa yo ki nan parti sa. Apo sa nan pa passer nan phase pour nous capable monter nan moteur et pour nous capable monter nan appareil la. Nan tourner nan l'autre partie vidéo.